Pourquoi les lapins ont de grandes oreilles? Un chacal et un lapin étaient les meilleurs amis du monde. Un jour, la femme du chacal ne se sentait pas bien, mais alors pas bien du tout. Le chacal appela son ami le lapin. Il lui dit « Ma femme a de la fièvre, elle ne veut rien manger, à part éventuellement un crabe. » « Un crabe ? Allons donc lui chercher un crabe ? » suggéra le lapin. Les deux amis se mirent en quête d'un crabe et partirent chacun dans une direction. Le lapin découvrit bientôt un trou dans la boue. Il regarda à l'intérieur et vit un gros crabe, un très gros crabe. Le trou était très profond. Le lapin plongea délicatement ses mains dedans, mais il ne parvint pas à attraper le crabe. Alors, ce qu'il fit, il glissa sa queue dans le trou. Mais le crabe pinça la queue du lapin et la serra très 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 fort. Le pauvre lapin hurla « oui, oui, oui ». Le chacal entendit son ami et se précipita à son secours. « Mais ne me regarde pas comme ça !» s'écria le lapin. « Ma queue est coincée dans le trou. Tire-moi de là. Allez, dépêche-toi !» Le chacal attrapa le lapin par les oreilles et le tira de toutes ses forces. « Oh, whis ! Oh, whis !» Lorsqu'il vit la queue du lapin bouger, le crabe, quel coquin, la pinça encore plus fort. Le lapin fit un bond et hurla de douleur. Sa queue fut sectionnée et resta dans le trou. Le chacal avait tellement tiré sur les oreilles de son ami qu'elles étaient devenues très longues, très 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 longues. Depuis ce jour, la queue des lapins est courte et leurs oreilles sont longues.